Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas si sympathique que ça au final. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de ma panne de lecture. En ce moment, je suis en pleine panne de lecture, j'ai une panne de lecture. Qu'est-ce qu'une panne de lecture? Nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Ça va être fun, on va s'amuser. En gros, là, pour faire simple, pendant tout le mois d'août, je n'ai lu aucun livre. Enfin, j'ai commencé à lire des livres, j'ai rien fini, j'ai rien avancé au niveau de mes lectures, c'est un désastre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo, de vous parler de ma petite panne de lecture, voir pourquoi j'en suis rendue là et essayer de trouver une solution. Parce que finalement, c'est assez chiant comme situation. Qu'on se le dise entre vous et moi, j'en ai marre de cette panne de lecture qui n'en finit plus. J'ai pas non plus rien lu pendant tout le mois d'août. Début août, j'ai terminé ma lecture du Sire des Baskerville, le Sherlock Holmes. Il était trop trop cool. Et après, je me suis lancée dans la lecture de ce livre. C'est numéro 2 de David Foenkinos. Je suis quand même rendue là, mais d'habitude, genre, je l'aurais terminé ce livre en même pas une semaine, tu vois. Donc je comprends pas pourquoi je suis rendue que là. En plus, je l'ai commencé pendant des vacances à la mer, donc j'aurais dû lire à fond, mais pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passait. Après, en soi, l'histoire de ce livre, elle est cool. En gros, ça raconte l'histoire du petit gars qui aurait pu jouer Harry Potter dans les films. En gros, c'était l'un des deux finalistes, il y avait lui et Daniel Radcliffe, et évidemment, c'est tout ce que c'est Daniel Radcliffe qui a été choisi, et ce livre parle de lui l'après-échec, et de sa vie après. Ce livre, il est quand même assez triste, donc c'est peut-être parce qu'il est trop triste que j'ai pas réussi à l'avancer, je sais pas. Et aussi, j'ai commencé à lire ce livre. Ce livre, j'ai commencé à le lire pour une vidéo, je pensais le lire en une semaine même pas. J'en suis rendue que là. Ce livre, je l'ai commencé il y a 3 semaines, hein, je tiens à le dire. Mais je n'avance pas ce livre, pas parce qu'il est nul, non, loin de là, il est vraiment trop trop bien, genre c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de l'année 2023, je rigole même pas. Ce livre, pour vous faire simple, en gros, ça raconte l'histoire de 3 femmes pendant la guerre de Troie. On a l'histoire de Clytémnestra, la femme de Agamemnon, qui est partie du coup à Troie, et c'est la sœur d'Hélène. On a aussi l'histoire de Cassandra, c'est une princesse de Troie, et elle, elle a un don de voyance, mais personne ne la croit jamais quand elle dit quelque chose. Et on a aussi l'histoire d'Electra, du coup, la fille de Clytémnestra. Et ce livre est trop trop cool, puisque ben, y a que des points de vue féminins. Ça parle de leur point de vue, un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on parle de Troie et de cette guerre-là. Donc j'aime vraiment beaucoup trop cette lecture, elle est très très intéressante, il y a plein de points que je connaissais pas, il y a plein de choses que j'apprends, et j'arrive pas à avancer. J'ai une théorie de pourquoi j'avance pas dans mes lectures. C'est notamment parce que du coup, en août, j'ai repris le travail et j'avais un contrat de 35 heures. Et mine de rien, j'étais pas mal crevée le soir en rentrant chez moi, donc ben, je lisais pas forcément. Il y a ça, et aussi au mois d'août j'étais vachement déprimée. Mine de rien, là ça va beaucoup mieux, mais au mois d'août j'étais vraiment pas bien, donc lire c'était vraiment pas dans ma liste des priorités, et j'avais vraiment pas envie de me poser le soir en rentrant chez moi et de lire. Et je me dis au final c'est pas grave que j'ai pas avancé, parce que j'étais pas si bien, c'est mieux que maintenant, j'ai fait en sorte de me sentir mieux, plutôt que de m'être concentrée sur mes lectures, tu vois, et d'ignorer le fait que j'étais pas bien. Je sais pas, mais au final je culpabilise pas tellement de pas avoir lu tout le mois d'août, c'est surtout que je trouve ça dommage de pas avoir lu alors que bah, c'est l'été et que j'aime trop lire l'été. Après moi j'ai quand même l'habitude de lire lentement, je suis pas quelqu'un qui lit rapidement un livre. Pour moi lire un livre en une semaine c'est lire un livre vite, alors qu'il y en a qui lisent plein de livres en une journée. Moi je suis incapable de faire ça et je regarde ces personnes avec admiration. Donc vraiment ouais, moi je lis lentement et j'ai l'habitude de lire lentement et de pas aller vite dans mes lectures, mais c'est juste que là au mois d'août j'ai l'impression d'avoir rien lu et de rien avoir fait, de rien avoir appris. Sauf que là ça fait une semaine que je pourrais lire plus, mine de rien, parce que j'ai terminé mon contrat au Futuroscope, mais je me mets pas à plus lire depuis cette semaine où je travaille plus, alors que j'ai le temps. Est-ce qu'un jour je me remettrai à lire quand même? C'est la question que je me pose, je désespère. En plus c'est ça, j'ai le temps de lire, je travaille plus. Enfin, je vais me remettre à travailler, vous inquiétez pas, je vais trouver du travail. Mais je suis plus déprimée. C'est quoi le problème? Pourquoi je me remets pas à lire? Peut-être que j'ai perdu l'habitude de lire. Je n'en ai aucune idée, mais pourquoi? Genre, c'est la question que je me pose. Et pour vous dire à quel point je lis peu, en fait, moi j'ai l'habitude depuis des années, mais depuis le collège, ça, en fait, quand je prends mon petit déjeuner le matin, je lis en mangeant mes céréales, je lis tout le temps, c'est ça, depuis que je suis toute jeune. Et du coup, j'ai tellement cette habitude ancrée en moi de lire pendant mon petit déjeuner que je continue de lire pendant mon petit déjeuner. Après, vu que je lis lentement, je lis que 2 pages. Voilà. Ce matin, en prenant mon petit déjeuner, j'ai lu ces 2 pages. Mais c'est surtout des jours, ça m'arrive de lire du coup pendant mon petit déjeuner parce que je fais ça tout le temps, mais je lis pas d'autres pages pendant ma journée. Genre c'est la seule lecture que je fais de ma journée, c'est le seul moment de lecture que je trouve dans ma journée, alors que j'ai le temps, là, dernièrement, je pourrais lire. Genre, c'est ça, j'ai le temps de lire, mais à chaque fois que je veux me mettre à lire, je pense à des trucs à faire et je me mets à faire d'autres trucs qui sont pas du tout sur ma liste de trucs à faire normalement. Maïva, tu as ce temps de libérer dans ta journée, faut que tu lises. Et non, je lis pas. Quand les gens me disaient ouais, je suis en panne de lecture ou quoi, je les croyais pas parce que je me dis, mais en fait, moi j'ai toujours envie de lire, ça m'était jamais arrivé d'avoir si peu envie de lire que ça. Et je me disais, mais c'est débile, enfin, juste prends ton livre et lis. Mais ça marche pas comme ça, apparemment. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai envie de lire. Je comprends pas pourquoi je lis pas, en fait. J'ai une panne de lecture, mais c'est un problème qui n'a pas de solution là actuellement. Déjà, c'est quoi la définition d'une panne de lecture?
Parce que j'ai envie de savoir, attendez, on va aller voir ça sur internet. Une panne de lecture est le moment où, peu importe le livre qu'on lise, qu'il soit bien ou non, on aura toujours du mal à s'y intéresser, à avoir envie de le lire et de se plonger dans une lecture. En gros, t'as envie de lire, ou pas, moi c'est mon cas, j'ai envie de lire, mais quand tu essaies, ce n'est pas aussi bien qu'avant. Cette définition, elle est cool, elle est parfaite, ça correspond à ma situation, mais ça donne pas de solution. Donc on va aller chercher des solutions, parce que moi j'en ai marre. Comment y remédier? 5 idées quand on a une panne de lecture. Petit 1. Il faut mettre tous nos sentiments d'obligation de côté et opter pour un livre qui nous fait de l'œil. Il me fait de l'œil, genre vraiment il est magnifique, vous avez vu comme il est beau? Il me fait de l'œil, oui, donc j'ai opté pour un livre parfait pour cette situation. Parfois la panne de lecture n'est que le résultat d'un moment où l'on se sent obligé de lire tel ou tel livre. Et mine de rien, là je me sens obligée de lire Electra vu que c'est pour une vidéo, et que je fais un vlog lecture. Peut-être que ça serait ça le sentiment d'obligation que j'aurais en ce moment. Mais après, j'aime lire ce livre, donc je comprends pas pourquoi je me sentirais obligée. Enfin, si, c'est pour une vidéo YouTube. Alors que faire? Dans ce cas-là, il suffit de prendre un livre qui nous fait de l'œil depuis un moment, d'en lire des extraits, quelques pages, ou simplement de le feuilleter. J'en ai plein des livres dans ma pile à lire que je veux trop lire, et qui me font v'là de l'œil, mais juste je les lis pas parce que j'ai d'autres lectures en cours. Donc je pourrais faire ça en vrai. Il y a un livre d'ailleurs qui est super court que je pourrais lire en une soirée, peut-être que ça me couperait de ma panne de lecture. C'est ce livre-là, attendez. J'ai vraiment ramené toute ma pile à lire sur mon bureau, c'est parfait ça. Donc, ce livre en vrai, je me dis si je le lis genre ce soir, peut-être ça m'aiderait à sortir de ma panne de lecture, étant donné déjà c'est un livre pour enfants, donc super simple à lire. C'est très poétique, tout moi, et les dessins sont magnifiques. Donc ouais, lire un livre avec des illustrations, j'ai fait tomber le marque-page. Lire un livre avec des illustrations, peut-être que ça m'aiderait à me sortir de ma panne de lecture. Ça peut être une solution. Ensuite, quelles sont les autres méthodes? Méthode numéro 2, tenter de lire un autre style de livre, sortir des genres littéraires dont on a l'habitude. Ben là, c'est ce que je vais faire du coup avec le livre pour enfants, vu que ben, je lis peu de livres pour enfants au final. Enfin, j'en lis pas, à part quand c'est pour lire à des enfants. Donc en soi, je vais lire ça ce soir, ça me sortira de ma zone de confort au niveau lecture. Donc, en lisant ce livre, je fais aussi la méthode numéro 2 de ce site, donc c'est pas mal. 5, si vous êtes fatigué, acceptez simplement de faire une pause. Ah ben ça, c'est ce que j'ai fait, mais pendant un mois, donc si on pouvait sortir de cette pause, ça serait cool. Comment sortir d'une panne de lecture? Je veux d'autres conseils, moi, s'il vous plaît. Conseil numéro 1, ouvrir un magazine. Non, on passe au conseil numéro 2. Lire un album, un roman graphique, une BD. Ben là, c'est ce que je vais faire ce soir, vu qu'il y a des dessins. Écouter son corps. J'ai écouté mon corps pendant un mois, là. Je sais qu'il allait pas bien, mais là, on va mieux, donc on va arrêter d'écouter mon corps et lire, s'il vous plaît. 4, se divertir différemment. Jeu de société, couture, puzzle. Ça, j'ai fait ça pendant un mois aussi. Oui, d'ailleurs, j'ai acheté, pendant ce mois d'août, j'ai pas fait que déprimer, puisque j'ai aussi acheté ce jeu, qui est ni plus ni moins que le meilleur jeu de société que je possède. Genre, vraiment, le Bananagram est trop cool. C'est trop un bon jeu. Genre, vraiment, en gros, c'est un mini Scrabble, où on est vraiment chacun pour sa part, chacun a son jeu devant lui, et il faut faire le plus de mots, et j'adore dire pot de banane. C'est ce que je rêvais de dire dans un jeu de société depuis que je suis enfant, au final. Si vous connaissez pas le Bananagram, jouez au Bananagram, vous aurez la banane. Mais oui, j'ai fait plein de trucs pendant que je lisais pas. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée au Puy du Fou, c'était trop une bonne journée. Et j'ai aussi profité, tu vois, j'ai pas fait que déprimer, j'ai joué à des jeux de société, j'ai fait le Puy du Fou, j'ai fait d'autres trucs. Mais juste là, j'ai envie de me remettre à lire. Donc voyons voir les autres méthodes. Méthode numéro 5, écrire. L'une d'entre vous m'a fait cette réflexion, si lire n'est plus possible, peut-être est-il venu le temps d'écrire. C'est pas bête, mais ah ouais, faudrait peut-être que je me remette à écrire, moi. Parce que vous savez, le livre que j'ai écrit au mois de mars et que j'avais écrit en un mois, eh ben, est-ce que ça vous choque si je vous dis que j'ai absolument pas continué à l'écrire depuis? Peut-être qu'il faudrait que je me remette à l'écrire, je sais pas, après j'ai quand même écrit quelques poèmes, donc ça compte dans le fait d'écrire. Mais ouais, peut-être faudrait que je me remette à écrire et que je lirai plus. Oui, mais le temps que je passe à écrire, je le passe pas à lire du coup. Ça résout pas le problème, là. Méthode 7, partir en librairie en quête de nouveautés. J'ai assez de livres, j'ai une librairie chez moi, on va éviter. Méthode 8, lire quelque chose de léger et court, c'est ce que je vais faire ce soir. Méthode 10, relire un livre coup de cœur. Ah ouais. En vrai, je le sais, ça serait si simple, je sais que si je relis Les 7 maris d'Evelyne Hugo, ma panne de lecture a disparu. Mais faudrait que je fasse ça en fait. Ça peut être une solution, vraiment, si ma panne de lecture continue sur la semaine prochaine aussi, même après avoir lu ce livre-là ce soir, peut-être que je vais envisager de relire Les 7 maris d'Evelyne Hugo, je vais voir, ça peut être une solution. Et c'était du coup le dernier petit conseil de ce site. En vrai, sur ces sites internet, c'était des bons conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé. Ce soir, méthode 1 que je vais mettre en œuvre, ce soir je lis ce livre. Aussi, je vais me remettre à plus écrire, mine de rien, peut-être que ça va m'aider.
Et si ça marche pas, ces deux petites méthodes, la semaine prochaine, je lis Les 7 maris d'Evelyn Hugo, et je sais que ça, je vais le lire très rapidement. Je le sens gros comme une maison que ce livre peut me sortir de ma panne de lecture. Donc, on commence par ça, et sinon, ce sera retour à Taylor Jenkins Reid. Donc ouais, c'était quand même des bons conseils, je suis contente d'être allée sur ces sites-là. Et mine de rien, si vous aussi, vous êtes en panne de lecture, n'hésitez pas à aller chercher panne de lecture sur Internet, vous avez encore beaucoup de sites qui proposent des conseils. Moi j'espère que ceux-là vont marcher, sinon ben, je rechercherai d'autres méthodes. Donc ouais, j'espère résoudre mon petit problème. En plus et surtout, j'ai tellement envie de lire. Regardez la taille de ma pile à lire. Enfin, faut que je m'y mette. J'ai des livres à lire, j'ai des livres que j'ai très envie de lire dans cette pile à lire. Et j'arrive juste pas à me mettre à lire, donc j'ai trop envie de m'y remettre. Après tu vois là, je vais essayer de bien me remettre à lire, mais je vais pas me mettre de pression vis-à-vis du temps que je mets à ma lecture. Je vais juste me mettre à lire, je vais pas me mettre d'objectif. Et maintenant je vais vraiment me dire que c'est ok de lire lentement, parce que j'ai toujours lu lentement, mais je me forçais mine de rien à plus lire. Parce que je me disais, tu lis lentement, ouais, mais passe plus de temps à lire. Du coup, Maëva, ben, je vais arrêter de me dire ça. Je vais lire lentement, c'est pas grave si je lis lentement, si je lis moins de livres. J'ai déjà lu énormément de livres cette année, donc c'est pas grave, je vais lire doucement. Et c'est bien aussi de lire lentement, puisque mine de rien, on profite plus de l'histoire. Et aussi, avec cette panne de lecture, je me suis rendu compte d'une chose, que lire des livres et acheter des livres, c'est deux passions totalement différentes, et que c'est pas du tout la même chose, et qu'on peut avoir la passion d'acheter des livres, mais mine de rien, pas tant lire que ça. Donc ouais, c'est deux passions différentes, et avant cette panne de lecture, je m'en étais pas tant rendu compte que ça, puisque moi j'aimais acheter des livres et lire des livres, donc je me disais c'est la même chose, mais pas du tout en fait. Parce que là, tu vois, ça fait un mois je lis pas, mais est-ce que c'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter des livres? Mais non! Du coup, ce week-end, je suis allée à Paris, et oui, je lis pas de livres, mais j'ai quand même acheté un livre, je suis allée à Shakespeare et compagnie, j'aime tellement cette librairie que je me suis dit ça serait dommage de repartir de cette librairie sans acheter un livre, et je me suis dit oui je lis pas mais je sais que je lirai ce livre un jour et j'ai envie de le lire depuis longtemps. C'est The Penelopiade de Margaret Atwood, donc déjà Margaret Atwood vous la connaissez forcément puisque c'est celle qui a écrit La Servante Écarlate. Ce livre parle de mythologie grecque mais il se concentre plus sur le personnage de Pénélope, du coup c'est la femme d'Ulysse. Ce livre je l'ai pris parce que je sais qu'il va me passionner et que je vais le trouver excellent. Donc ouais, j'ai acheté ce livre alors que j'ai déjà plein de livres à lire et que je ne lis pas. J'ai toujours ma passion d'acheter des livres, mais en ce moment ma passion de lire avait un petit peu disparu. Donc voilà, c'est vraiment un constat que j'ai fait ce mois-ci, c'est que j'aime acheter des livres, j'aime encore acheter des livres, mais mine de rien, j'ai moins aimé les lire qu'avant. Donc là vraiment je vais essayer de me remettre à lire, je vais essayer de sortir de cette panne de lecture qui est juste interminable, et c'est surtout je sais que ça va finir par jouer sur mon moral le fait de ne plus lire, parce que juste j'arrive plus à me remettre à lire, et c'est quelque chose qui compte tellement pour moi dans ma vie, et j'aime tellement ça en fait, c'est ma plus grande passion aujourd'hui, et juste je sais qu'à un moment donné ben juste ce sera plus drôle cette panne de lecture, et il faut vraiment que je m'y remette avant que ben on passe du côté sombre de l'histoire au final. Voilà, donc voilà, je vais essayer de m'y remettre avec toutes les petites méthodes que j'ai vues sur internet, et si vous aussi vous êtes en panne de lecture, j'espère que vous allez aussi vous en sortir et que cette petite vidéo vous aura peut-être aidé, puisque comme ça on comprend qu'on n'est pas tout seul dans cette situation et que c'est pas grave au final, mais juste faut quand même essayer de se remettre à lire puisque c'est une passion qui compte énormément pour moi et pour vous aussi je pense si vous regardez cette chaîne YouTube. On se tient au jus, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes en panne de lecture, qu'est-ce que vous allez faire pour vous en sortir, si vous êtes sorti d'une panne de lecture récemment, qu'est-ce que vous avez fait, dites-moi tous vos conseils dans les commentaires si vous en avez des nouveaux, enfin dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, j'espère que d'ici là je serai sortie de cette panne de lecture, et voilà, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine, bisous.